Le mot d'ordre de grève est levé dans le secteur des mototaxis de Douala. Aujourd'hui, quand vous êtes responsable d'un secteur comme le secteur mototaxi et que les acteurs, je veux dire les mototaxis, ont du mal à obtenir leur permis de conduire, vous vous sentez gêné et vous avez autant de pression. Et c'est ça qui a activé les responsables de ce secteur à mettre sur pied un mot d'ordre de grève. À l'origine de cette grève, l'indisponibilité des permis de conduire spécial A et les nombreuses tracasseries pour l'établir. Le premier point, c'était de mettre à disposition les fiches pour pouvoir imprimer les permis de conduire des conducteurs de moto-taxi. La réunion du mercredi 2 février 2022 à Douala entre les présidents des syndicats de moto-taxi et le délégué régional du transport pour le littoral s'est achevée sur une bonne note. Aujourd'hui, nous sommes censés parce que les autorités ont compris nos doléances. Parce que nous avons eu à compter du 22, faire une grève concernant nos permis qui ne sortaient pas. La rencontre de ce jour, visant à informer l'ensemble des benskineurs sur la levée du mot d'ordre de grève, ne dissipe en rien leur volonté à y revenir si rien n'est fait par l'administration dans les brefs délais. À tout moment, nous pouvons revenir sur notre mot d'ordre de grève. Au cas où les clauses qui ont été prises lors de notre dernière réunion avec l'administration ne sont pas respectées. Selon les chiffres officiels de la communauté urbaine de Douala, la ville de Douala totalise plus de 70 000 motos, avec 14 syndicats recensés. C'est en moyenne 200 motos achetées au quotidien dans la ville. Et ce moyen de transport est le plus utilisé par les populations de la capitale économique du Cameroun.